Yeah, pas tout le monde et bienvenue dans la catégorie vie, gestion du risque autour du projet, voilà. Et la notion de comment on réalise des échantillonnages, voilà, à partir de sciences statistiques. Quelles bonnes pratiques mettre en place, voilà. Alors je ne parle pas trop fort, je suis désolée, il est très tard. Donc en fait, la notion d'échantillonnage, alors déjà, je vais vous dire une chose, c'est que sur mes notes, en fait, j'ai marqué bof. Donc, si j'ai marqué bof, c'est que je suis pas très contente de moi. Donc, je pense que c'est confus. Donc là, je vais vous lire mes notes en direct et on va voir ce que ça donne. Mais voilà. Alors, dans ma tête, ça a l'air clair. Pourtant, sur mes notes, j'ai noté bof. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, selon moi, déjà, il faut se poser la question de savoir, en fait, c'est quoi une notion d'échantillonnage. Et au regard de la notion d'échantillonnage, comment on va penser mettre en place les bonnes pratiques pour échantillonner en fonction de nos problématiques, parce qu'elles sont uniques. Alors, donc, l'échantillonnage est une fraction, pour moi, à l'instant T, d'une fraction qui est représentative d'un sous-ensemble donné, c'est-à-dire un ensemble. Pour moi, un ensemble, c'est en fonction de la dimension de votre échantillonnage, ça c'est fonction de la profondeur du risque de votre projet. Plus votre projet est important, plus vous allez engager des risques et plus, bien sûr, vous mettrez du temps à faire votre échantillonnage. Soit vous agrandirez la zone ou soit vous multiplierez la précision en multipliant les groupes et les cibles, voilà, auxquelles vous allez peut-être soumettre votre projet. Voilà. Donc je dirais que vous allez cibler en fait un ensemble et vous allez essayer de prendre des échantillons, des spécimens, faire des enquêtes, voilà, cibler une population de référence, une cible de référence, etc., etc. Moi je dirais que les synonymes autour d'échantillonnage, comme je vous l'ai dit, échantillons, spécimens, les enquêtes, les populations de référence, les cibles de référence, en fait, ça sous-entend une notion qui est pour ma part, je pense, soulève un risque. La notion de risque, pourquoi? Parce que au regard de la subjectivité, voilà, de ce que je souhaite en quelque sorte exprimer, voilà, par rapport à quel groupe d'appartenance. Indirectement, rien qu'en ciblant une catégorie donnée de groupe d'échantillonnage, indirectement, je fais parler les valeurs comme je souhaiterais qu'elles parlent. Donc indirectement, j'agis sous influence. Voilà. Ça, ce serait pour les risques. Que l'échantillonnage soit complètement soumis inconsciemment ou pas à la subjectivité et soit décorrélé de la réalité. Le risque à côté de faire et mettre en place des bonnes pratiques autour de l'échantillonnage. Ben, ça, ce serait d'augmenter l'efficience globale pour atteindre les objectifs de notre projet, justement. Et en plus de ça, viser l'exactitude. Quand je parle d'efficience, c'est-à-dire que c'est comme quand vous êtes devant une cible, en fait, vous allez lancer votre flèche et votre flèche, en une fois, va arriver au centre. Et bien, c'est pareil pour l'échantillonnage. Vous devez viser l'efficience de la qualité de votre échantillonnage, pourquoi? Ça vous fera gagner du temps, vous n'aurez pas besoin de lancer et de relancer de nombreuses autres flèches. Donc parfois ça vaut le coup d'investir du temps et de la patience à bien étudier et cibler un groupe d'échantillonnage donné. Voilà, ça c'est quand on a besoin de résultats qu'on va dire quantitatifs. On a des besoins de résultats précis. Voilà. Allez, moi je dirais les mots-clés autour de tout ça, la notion d'échantillonnage, et ben pour moi ça repose également sur l'approche par les sciences statistiques. C'est justement grâce à ces sciences statistiques en fait qu'on va viser la fiabilité. Voilà, on va viser à acquérir une connaissance la plus efficiente possible, comme je vais je l'ai vous je Il est temps que j'aille au lit aussi. Une connaissance la plus efficiente et donc la plus représentative en fait d'un ou de plusieurs groupes de population. Donc par rapport à votre soi subjectif d'échantillonnage, que je dirais jugé subjectif. Voilà. Donc à mon sens, en fait, que ce soit pour réaliser l'échantillonnage ou en fait se reposer sur les sciences statistiques pour interpréter, je pense que ces deux parties porte le risque d'y ajouter de la subjectivité, voilà, tout simplement. Et voilà, et je dirais que c'est tout sur le sujet. Donc voilà, pour résumer, en fait, mettre en place une technique d'échantillonnage grâce ou par les sciences statistiques, c'est quelque chose de délicat, voilà, parce que vraiment, c'est
c'est tronqué, la volonté, la prise d'action, la prise de décision, elle est tronquée par tout ce qui nous constitue et ce qui constitue l'être humain, c'est-à-dire sa partie cognitive et émotionnelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on est dans une vraie prise de conscience, en fait, des limites de l'intelligence humaine et on est en train de repenser, compléter cette intelligence humaine limitée par de l'intelligence dite artificielle. Voilà pourquoi également dans le cadre de YEPA, l'axe de logique vise à essayer justement de comprendre l'impact de l'innovation justement et de comment potentiellement l'intelligence artificielle va nous suppléer ou potentiellement nous remplacer. Voilà, ou potentiellement juste fusionner avec nous. Juste. Allez, je vous dis bonne nuit. Pour moi, c'est fini. Il faut que je sois raisonnable. J'appelle ma volonté et ma raison. Voilà. Voilà. Bon, allez, je vous dis bonne nuit. C'est pas bien. Comme d'habitude, je papote trop. Allez, je vous libère. Ben, faites-nous part de votre retour d'expérience et de comment vous auriez traité le sujet. Par quelle approche? Et est-ce que vous avez une solution simple, vous, en pratique? Voilà, à nous communiquer et nous partager. Allez, à bientôt. Bonne nuit. Et pas. À bientôt, bientôt. Et le meilleur, parce que je vous rappelle que je vous adore, alors prenez soin de vous, à bientôt, y est pas.